Emmanuelle Quadio, elle est vilaine. Ah oui, ça c'est vrai, il faut le reconnaître qu'elle est vilaine. Ah, elle est vilaine, franchement, quoi. Elle n'a pas une belle forme, elle n'a pas une belle tête, elle est laide. Je ne peux pas qualifier ça autrement, elle est laide. Sans les cheveux, je lui conseille d'aller se faire pousser les cheveux rapidement. Ce serait mieux pour elle. Voilà. Et ça, c'est clair, quoi. Je ne le cache pas. Maintenant, bon, voilà. Comme vous avez l'habitude, là, vous pouvez la comparer toujours à ma déesse. Hein, voilà. Vous pouvez la comparer toujours à la déesse, la maman de Mimi, la maman de Naël. Voilà. La mignonne. Vous pouvez toujours essayer. Hein, voilà. Prenez sa tête, là, sa grosse tête, on dirait chose. Là. On dirait quelqu'un, on dirait. André Zekina, prenez sa grosse tête là, puis mettez-la à côté de ma femme. Et vous allez voir la différence. Ce qu'on appelle belle femme. Voilà. C'est ça le problème. Ben, je vous dis qu'elle n'a aucune culture, elle n'a aucun savoir-vivre. C'est bloqué. C'est pas bloqué. Non, non, c'est pas bloqué. Ouais, les gens peuvent mettre la tête de moche. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai rien à cirer à cette page-là. Voilà. Vous voyez que derrière, elle est tellement restreinte qu'on est à 380. Voilà. J'ai rien à cirer à la page, donc ils peuvent mettre tête de mort. L'essentiel, c'est que les gens vont copier cette vidéo, ils vont aller la mettre sur leur page. Voilà. C'est ça qui importe pour moi. Voilà. On dit, je vais faire vidéo sur quoi? Sur quel événement? Donc, vous voyez, voilà une chose qui est là, qui est, elle est toute composée de caoutchouc, de matelas, de. C'est pas de fer, de tout ce qu'on trouve dans la nature, du bois et tout ça. On a pris ça, elle s'est composée de tout ça. Et elle vient, elle est menteuse. Voilà qu'une fille est venue te verser là. Voilà. Sylvia est venue, voilà. Madame Bouche-Pioche. Bouche-Pioche est venue te verser tranquillement. Hein. Elle t'a démoli en net. Tu n'es plus rien. Même si tu veux, il faut faire 1 million de vues par jour. Tu n'es plus rien. Tu ne vaux plus rien. Nous comprenons que dans ce monde-là, il y a trop de prostituées et de bocclés dans ce monde-là. Donc, ils vont aller forcément te supporter sur ta connerie de page. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que tu es quelque chose. Elle est bipolaire, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tu es quelque chose et que tu peux apporter quelque chose à la nature. Tu n'es rien. Tu n'es plus rien. Au départ, les gens ont cru à tes mensonges. Et tu vois que tu n'as rien. Tu ne peux même pas compatir à la douleur de ta sœur. Mon Dieu. Ta sœur souffre en ce moment dans son corps. Et toi, tu mets une vidéo là et puis tu danses. Et puis tu danses avec quoi? Avec des fesses en chiffon et en caoutchouc. On dirait matelas. C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on. C'est ce qu'on t'a appris en famille? C'est ce qu'on t'a demandé de faire? Avec ta tête, on dirait Goldorak là? C'est ça, c'est ça. Ta tête, mais, dis donc, mets-toi des cheveux rapidement parce que tu fais. Non, mais tu fais peur. Dis donc, quand on voit ta tête là, mais tu fais peur. Tu as fait une tête comme ça, balèze comme ça sur ta tête, on dirait que. On dirait chose, un bateau flottant. Et puis tu viens merder les gens. Tu viens merder les gens. Tu viens là, tu es ridiculisé. On dit, tu baises en désordre, que tu as la cuisse légère. Tu ne viens pas répondre à ça. Hein? Tu ne viens pas répondre à ça. On dit, tu es une menteuse, que tu n'as rien. Mon Dieu. On a versé tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand tu vois, tu es transparente. Tu n'es plus rien. Et tu viens bouger encore des fesses en caoutchouc. Là, tu crois que nous, on a besoin de fesses en caoutchouc? Tu crois que c'est les coudons? On regarde des vraies fesses. Bah, regarde les petites filles d'Abidjan, là. Regarde les fesses qu'elles sont en train de montrer. Les petites, là, qu'elles mettent les fesses. Ça, là, c'est du. Quand tu vois ça, même, elles n'ont pas l'argent pour aller faire fesses. Donc, ça, on sait que c'est naturel. Parce que même, on n'a rien pour manger. Donc, c'est pas fesses, elles vont aller payer pour mettre. Ça, c'est naturel. Quand tu vois ça, c'est que tu caquilles tes yeux, quoi. Puis, tu as envie de rentrer dedans, quoi. Tu as envie de rentrer dedans. Puis, tu imagines tout ce que tu peux faire avec. Mais pour toi, là. Quand on voit ça, on voit juste un matelas. On voit juste un chiffon. On dirait fauteuil. Quand on voit ça là, on a l'impression que c'est un fauteuil. Et qu'il n'y a rien dedans. Rien. Il n'y a même pas goût dedans. Je vais te demander, est-ce que même tes lèvres là, tu n'as pas trafiqué ça aussi? Les lèvres de ton. En bas là-bas là, tu n'as pas trafiqué ça? Je parie que tu as trafiqué ça aussi. Ouais, ça c'est vrai. Ça, je suis sûr que si c'est pas Kboro, peut-être que tu as pris viande de cheval, viande de bœuf, je ne sais pas ce que tu as pris, mais ça doit être Kboro que tu as mis en bas là-bas. Tu emmerdes les gens. Je t'ai dit, je n'ai pas fini avec toi. Parce que tant que tu n'arrêtes pas tes bêtises à tes conneries, tu n'as rien dans la tête. Rien du tout dans la tête. Tu n'as rien dans la tête. Tes seins sont descendus boudrou comme ça. On dirait papa est très mûr. On dirait quand papa est très mûr, et puis en plus, ça aussi c'est refait. Et Dieu, quelle est la partie de ton corps qui n'est pas refait? Quelle est la partie de ton corps qui n'est pas refaite? Bah, je veux savoir quoi.
Mais c'est pas possible. Et c'est ça là, tu dis que tu influences. Tu influences les gens à faire quoi au juste? Moi, je veux savoir quoi. Parce qu'on dit influenceur, influenceuse. Expliquez-moi un peu. Est-ce que vous savez que vous ne savez même pas ce que ça veut dire? Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Être influenceur. Toi, tu influences en quoi? Influence les gens à mentir? La mythomanie? C'est la promotion de la mythomanie? C'est un homme. Ah, on dit c'est un homme. Moi, je suis sûr que c'est un homme. Ouais, je suis sûr que c'est un homme. Non, mais elle a des enfants. Non, elle ne peut pas être un homme. Elle a des enfants. Elle ne peut pas être un homme. Mais Sylvia l'a démonté. C'est fini. Elle n'est plus rien. Elle n'est plus rien. C'est que rien même est mieux que elle. Aujourd'hui, là, Sylvia finit avec toi. C'est que, et puis, regardez bien les vidéos de Sylvia, puis regardez mes vidéos. Moi, j'ai dit, sans apporter les preuves, sur tout ce que j'ai dit là, c'est ce que Sylvia a repris. Bouche pioche, c'est ce qu'elle a repris. Mais moi, je n'avais pas ses voix, je n'avais pas toutes ces preuves-là. Sylvia, elle est venue confirmer tout ce que j'ai dit. Vous allez voir, vous allez monter, vous allez descendre. C'est moi, Bob Lee, toujours dans la vérité. Quand je parle, tu as monté. C'est pourquoi ça fait mal quand je parle. Parce que quand je parle, je ne rate jamais ma cible. Parce que je ne ramasse pas des mensonges pour mettre sur les gens. Je parle de toi, tel que tu es. Quand toi-même, tu ris, tes larmes coulent. Voilà, parce que tu sais ce qu'il dit est vrai. C'est les gens qui sautent, qui viennent sur ma page. Non, c'est faux. Ce que tu dis, non, c'est faux. Va là-bas. Tata de tic, tata de tic. Vous voulez la comparer souvent. Je vous vois en train de dire que vous voulez la comparer à ma déesse. Ah, c'est la partie même qui veut me tuer, quoi. Vous voulez comparer à une fille qui a un cerveau de 1000 personnes, de 1000 africaines. Papi, la femme là, elle est trop intelligente. Vous voulez la comparer à une qui n'a même pas niveau CM2 et qui est là, qui prend son temps à lire. Et vous voyez ce qu'elle fait? Elle dit des mots rares pour qu'on pense qu'elle connaît papier, pour qu'on pense qu'elle est intellectuelle. Elle va dans les dictionnaires. Il y a elle et puis il y a elle, c'était Yves Aipo, le malade qui est en chose, le mendiant là, le homeless là, le sans-abri qui est en Australie là, lui aussi c'est comme ça. Ils vont, ils prennent le dictionnaire, ça c'est les malades qui sont comme ça, c'est les mythos, c'est comme ça ils sont. Ils prennent le dictionnaire parce qu'ils sont très complexés, les mythos, voilà, c'est comme ça ils sont. Les mythos sont comme ça, ils sont très complexés, très aigris et ils veulent toujours paraître. Donc ils vont dans le dictionnaire, ils cherchent les mots rares. Sinon, français que je parle là, est-ce que j'ai besoin d'utiliser gros mots pour que vous me compreniez? Gros mots là, ça fait quoi? Mais vont là-bas, je n'ai pas besoin d'utiliser des mots rares pour vous faire comprendre quelque chose. Parce que ça ne sert à rien du tout, les mots rares. Je vais prendre des mots que vous ne connaissez pas, ça y est, j'ai fini de parler, vous n'allez même pas me comprendre. Alors que la communication, c'est l'art de se faire comprendre. La communication, quand on dit communiquer, c'est l'art de se faire comprendre. Sinon, c'est pas la peine de parler si tu ne peux pas faire comprendre, si tu ne peux pas te faire comprendre. Voilà. Donc, mais eux, ils vont dans le dictionnaire, ils prennent les mots rares pour qu'on dise qu'ils parlent français, pour qu'on dise qu'ils sont trop forts, qu'ils sont intellectuels. Alors que même BPC, ils n'ont pas en poche. Même BPC, ils n'ont pas en poche. Et ils viennent, ils vont raconter leur vie à partir des mensonges. Ils vont dire, comme s'ils parlent, mais tu sais, mais tu sais. L'autre dit qu'il a fait droit. Celle-là, elle dit qu'elle a fait quoi? Elle a bachelor en quoi? Je sais pas quoi. Peut-être master en quoi? Je sais pas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est dans quoi nous sommes là? C'est dans quoi nous sommes? Je l'ai démonté, mais je n'avais pas les preuves. Donc, il y a des gens qui doutaient. Mais quand Sylvie est venue à mettre les preuves maintenant sur ce que je disais, et je vous avais dit que Aya Robert, quand j'avais dit ça, Aya Robert était venue dire que non, c'est faux, que tant, tant, tant de trucs que moi, c'est parce que je voulais photo absolument de quoi, quoi, de la go, des choses, comment elle s'appelle là? La femme de Chabelin, la femme de Chabelin. Et je dis, jamais moi je n'ai dit ça. Je n'ai pas voulu exposer la femme de Chabelin. Au contraire, c'est elle que je protégeais. Je voulais plutôt exposer Bébé Busy. Et voilà, Sylvia vient de dire ça. Sylvia vient de dire que c'est Bébé Busy qui a donné les preuves là. Les trucs, vidéo nus, tout ça là, de même de la fille là, à chose, comment dire, à Aya Robert. Vous voyez? Je vous ai dit que moi, je sais. Et c'est là que je vous ai dit que elle, mon esprit n'arrive jamais à l'accepter. Parce que je n'aime pas les menteurs. Et c'est ça. Sylvia vient de confirmer ce que j'avais dit il y a longtemps. Je le disais sans en avoir la preuve. Moi, je l'ai dit sans en avoir la preuve. Mais je savais, quand j'ai fait mes analyses, ça ne me trompe pas, je l'ai dit. Et Sylvia vient de casser papo que oui. Et que Sylvia vient encore de dire que Aya Robert continuait de causer avec Eka, avec Emmanuel Quadio.
Vous voyez, l'Internet fait peur. C'est pourquoi je ne fais pas ami, je ne lis pas amitié avec tout le monde. Ou même camaraderie avec tout le monde. C'est très difficile de lier amitié sur les réseaux sociaux. Mais soyons d'abord camarades. Mais camarades, même là, je trie. Camarades, même, je trie. Parce que nous sommes dans un temps de un tas de mensonges avec des menteurs, des hypocrites. Et c'est un panier à crabes. C'est un panier à crabes. Aujourd'hui, toute la vérité est en train de sortir. La petite civière, elle est la plus détestée en ce moment. Parce qu'elle est en train de casser les vrais papos. Elle est en train de casser les vrais papos. Je vois des pembèches qui sautent, qui sont en train de la clasher. Vous faites rire. La petite a déjà fini avec vous. Qu'est-ce que vous allez dire sur elle? Elle n'a jamais dit qu'elle était riche. Vous allez casser. Quel papier vous allez casser? Non, j'allais te frapper. Puis ça a fait quoi? Elle vous a dit qu'elle fait combat de boxe. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle était championne de boxe? Elle vous a jamais dit qu'elle est championne de boxe. Elle vous a jamais dit ça. Elle, son seul parable, son fanga qu'elle a, sa force, là, c'est sur moi seul. Elle dit qu'elle allait prendre l'avion pour venir aux États-Unis pour me frapper. Donc, c'est moi seul, elle peut frapper. Si elle n'a pas dit qu'elle vous, elle peut vous frapper. Voilà. C'est moi seul, elle moyen. Donc, laissez-la dans son game. Laissez-la dans son game. Alors, elle est venue, elle a tout versé. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Oh, laissez Yves Aipo pour lui. Laissez Yves Aipo pour lui. Yves Aipo pour lui. Il est... c'est un clochard. Certainement, il est dans les rues d'Australie, quelque part là-bas, en train de demander encore de l'argent. Et c'est son travail. Toujours en train de commander. S'il n'est pas sur Internet, en train de demander de lancer les SOS, il est quelque part là-bas en train de demander de l'argent. C'est comme ça qu'il est. Vous voyez, non? Mais c'est pas possible. Ta camarade est blessée dans son âme, dans sa chair. Et toi, tu mets vidéo, tu danses. Et après, là, c'est vous, les mêmes femmes-là, qui avez applaudi. J'ai vu près de 7000 réactions. Des likes, des love. C'est après vous, là, les conneries comme ça, pocler les prostituées. Vous allez venir sur ma page pour dire, non, toi, tu insultes les femmes. Mais est-ce que vous savez, vous connaissez la valeur de femme? Ben, je comprends. Comment vous pouvez connaître la valeur de femme lorsque vous-même, là, votre sexe même ne vous dit rien? Lorsque votre sexe n'a pas de valeur, lorsque la femme, la valeureuse femme, vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas quelle femme on appelle la femme de valeur. Parce que toutes les femmes n'ont pas de valeur. C'est pas toutes les femmes qui ont valeur, non. Il y a des femmes qui ont valeur et il y en a qui n'en ont pas. Il y a des femmes qui sont dignes d'être appelées femmes et il y en a qui n'en ont pas. Parce qu'aujourd'hui, là même, on a vu des gens qui se font des vagins et qui deviennent femmes. Voilà. Il y a des gens qui se font des vagins et qui deviennent femmes. C'est vrai, ils ne peuvent pas enfanter, mais ils se font quand même des vagins et puis ils deviennent femmes. Donc, ce n'est pas toutes les femmes qui sont femmes. Déjà, quelqu'un complexé. Moi, je vous vois souvent, vous dites, oh, Eka est plus belle que telle personne. Eka est plus belle que telle personne. Ça me fait rire. Quand on est belle, on ne va pas faire une chirurgie. Quand on fait une chirurgie, c'est déjà, ça veut dire qu'on avoue déjà qu'on a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on n'est pas belle. Quand on est belle et puis on est beau, là, on ne voit pas pour dire que ici, là, ne me plaît pas, je vais changer. Ici, là, c'est que toi-même, là, déjà, sans qu'on ne t'ait dit, toi-même, tu reconnais que tu n'es pas belle. C'est pourquoi tu allais faire quelque chose pour pouvoir te rendre belle. Alors qu'il y a des gens naturellement jolis, qui sont là naturellement. Toi-même, tu t'en mets yaka yaka sur ta tête. Tu crois que c'est ce qui va te rendre belle. Malgré ça, tu ne gagnes pas garçon pour te marier. Ça veut dire que c'est un échec. C'est un échec. Parce que moi, je veux comprendre une chose. Lorsque je m'en vais pour me rendre belle, un mois ne peut pas dépasser, puis je suis déjà dans le foyer. Un mois, ce ne passe pas. Puis je suis déjà dans le foyer. Là, je sais que j'ai atteint mon but. Parce que quand on se rend belle, là, c'est pourquoi? C'est pour être apprécié par un homme. Quand une femme va pour se rendre belle, c'est pour être apprécié par un homme. C'est pour être apprécié par un homme. C'est pour être apprécié par un homme. Donc, quand tu t'en vas te rendre belle, tu te dis toi-même, tu dis, je me suis rendu belle. Et puis, tu es là. Et puis, depuis des années, tu n'as pas encore gagné un garçon pour te mettre à la maison. Si ce n'est pas grâce à moi, là, même bébé Busy, même, elle n'avait pas gagné ça. C'est grâce à moi, elle a eu bébé Busy. C'est grâce à moi qu'elle a eu bébé Busy. Déjà, elle est là, elle est en Jones. Il n'y a pas quelqu'un. À part Chamberlain, qui ne savait pas où mettre sa queue, là. À part Chamberlain, elle n'avait personne. Elle était en Jones, là où elle était, là. Tu vois, elle se met les didos entre les jambes. Elle était en train de se doiter tous les jours. Quand elle a les photos, je suis sûr qu'elle venait se masturber même sur ma page. Elle venait qu'elle voit mes photos quand elle est en train de se masturber. Déjà, elle cherchait. Et dit, vous allez voir, papier de ça va sortir un jour. Si Sylvia va casser papier, on va vous dire que non, que c'est là. Elle se masturbait en regardant mes vidéos. On vous dit ça. Kéka, elle regardait mes vidéos en ce moment. Elle aime les gens qui ont le pouvoir. Et comme j'ai le pouvoir, les gens qui ont l'argent, les gens qui ont le style, elle aime ça. Et donc, je suis le genre d'homme qu'elle veut. Donc, je suis sûr que ça va venir. Non? Un jour, vous allez avoir. Sylvia va dire ça. Si moi, je parlais à Sylvia, les gens allaient dire que tout ce que Sylvia dit, c'est moi qui lui ai dit de dire. Alors que moi, toutes ces preuves qu'elle a, moi, je n'ai jamais eu ça.
Si moi j'avais les preuves là, j'avais déjà cassé ça. Donc ça veut dire que Sylvia et moi-même, on se parle pas. On n'a jamais causé. La seule fois où elle a parlé à moi, c'était pour me dire que chose Mati l'a clashé. Et puis je lui ai dit de laisser ça. Point. Ça, en ce moment, on était en plein clash encore. Elle était encore la présidente de leur connerie. Donc voilà. Voilà. Donc dites à votre Ekara qu'elle arrête de se masturber maintenant. Parce qu'elle a maintenant bébé busy. Qui l'amour peut-être chaque soir. Je ne sais pas s'il est puissant, mais il ne sait pas. Mais on dit la kikinette. En tout cas, j'ai vu kikinette là. Moi-même, j'ai vu sur ma mini photo de ça. C'est petit comme ça. Donc, elle a qu'à se masturber avec ça. Que de rester en train de se masturber sur mes vidéos. Allez-y, lui dis ça. Moi, j'ai rien à foutre avec elle. Voilà. À cause de moi, elle allait dire à bébé Busy d'aller louer les Range Rover. Nous, on loue pas. On roule dedans. Nous, on loue pas. C'est tous les jours qu'on est dedans. Voilà. Quelqu'un peut pas louer Range Rover. Il peut pas avoir Range Rover. Et puis, aller dormir chez femme. Une femme dont la maison a été louée par un autre homme. Chambellan. Maison que Chambellan a louée là. C'est dedans. Toi, tu t'en vas dormir avec femme. Tu n'as pas honte. Et ça s'appelle garçon. Il est là, il sait qu'il ne peut pas. S'il fait erreur, on va le chasser, il va partir ailleurs. Donc il préfère rester là. Même si elle vient qu'à baiser tout Paris, là, lui, il s'en fout. Lui, tant que lui, la maison pour dormir, ça va. Tant qu'il vient à la maison, puis elle peut préparer pour lui, pour manger, c'est bon. Ça, on appelle ça là aussi garçon. Gigolo était mieux encore. Moi, étant levé dans Gigoloya, tu rentres dans Gigoloya fort, bébé busy. Eh Dieu, on peut faire ça. Toi-même là-haut, tu es né quel jour? Et puis comment toi-même tu fais même pour quitter jusqu'en Côte d'Ivoire? Tu viens à Paris pour être gigolo, pour vivre aux dépens des femmes. Tu es comment? Moi, je ne comprends pas. Tu es comment? Les petits, les enfants de 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans vont à choses là-bas. Toi, tu as 48 ans. Les enfants vont à Paris là-bas. En un an, deux ans, ils se sont déjà refaits. Ils ont maison pour eux-mêmes qu'ils payent. Femme bien avec eux, tout et tout. Toi, tu es là-bas depuis 10 ans, 11 ans même. Depuis 11 ans, tu es là-bas. Et déjà, tu attendais l'occasion qu'une go te prenne pour te mettre chez elle. Et dis, on peut faire ça. On peut faire ça. Et c'est ce genre de personnes, ce genre de conneries-là, comme ils n'ont rien à faire, comme ils n'ont rien, ils disent, on fait politique aujourd'hui. Si on n'est pas soroïste, on est ceci aujourd'hui. On est... Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour leur donner un coup de main. Ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Ils ont été RHDP. RHDP leur a donné un peu d'argent. En inbox, un peu, les 1000 euros, les 2000 euros. Ils ont cru qu'ils étaient arrivés. Quand RHDP les a laissés naître, là, ils ne savaient plus où mettre leur tête. Ils sont allés chez Soro. Croyant que Soro allait donner l'argent. Ils ont vu que là-bas, là, chose Amira Blindé les a blagués un peu, à leur donner un peu de mougou. Mais là-bas, il n'y a pas bon argent. Ça ne peut pas faire chose. Ça ne peut pas faire la vie. Dès que Don Giovanni les a clashés un peu notre chose a dégâts. Et quand elle a dégâts net, ils se sont accrochés en même temps. On peut faire ça. On peut faire ça. Ça n'a même pas fait un mois que tu as pris tes bagages, tu es allé vivre chez elle. Ah! Même si on dit que ça existe rarement pour qu'un homme aille se déplace pour aller vivre chez garçon, chez femme. Mais il fallait attendre au moins un an. Mais dès que, on dirait que vous étiez pressé même. Dès que Don Giovanni fait chose, dès que vous allez au Zouglou, du Zouglou, vous baisez. De baiser après, une semaine après, vous dites que vous êtes fiancé. Le lendemain des fiançailles, même nuit là, après fiançailles, même nuit là, on voit voiture, on prend chose à des affaires, on amène ça chez Eka. Ah, non. Ça, c'est pas malédiction. Ah, c'est moi, vous attendez. Moi, je vous clash même plus, c'est bon. Parce que quand il vous clash, on dirait, ça vous donne bonheur. Je vous ai clashé, vous êtes marié. L'autre a eu garçon. Je vous ai clashé, toi, finalement, tu as eu un endroit pour dormir. Parce que tu étais un sans-abri. Donc, finalement, moi, je vais vous laisser. Parce que chaque fois que je vous clash, au lieu d'améliorer vos vies, vous venez encore tout gâter. Je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit de faire chose, comment dire, d'aller, de quitter le Gigoloya pour aller chez une femme qui n'a elle-même rien et qui n'a juste qu'un dortoir là qu'un homme, un autre homme a payé. C'est pas ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai jamais dit ça. Toi aussi, toi Eka, je t'ai jamais dit que, même si tu es en Jones, je t'ai jamais dit que c'est un Vogo qu'il faut prendre. Fallait me dire, il y a des bons gars ici aux États-Unis qui peuvent payer des billets d'avion chaque 3 mois, aller te voir, te mourir pendant une semaine et puis ils reviennent. Si en tout cas tu peux tenir pendant 3 mois, chaque 3 mois pour les voir. C'est bon, il y a des bons gars ici.
bien chic, chic même. Tu peux même payer voiture, bonne voiture pour toi là-bas. Une petite Evoque. Ils vont payer ça pour toi. Puis au moins, tu vas rester dans Evoque au moins pour une fois de ta vie. Que d'aller sortir avec. Lui là, c'est Serpierre. Lui avec qui tu es là, c'est Serpierre. Il n'y a rien on peut prendre dans lui. Tout le monde marche sur lui. Il n'y a rien on peut prendre dans lui. C'est là-bas que tu es parti. Toi aussi. Toi, bébé busy, il faut être un peu ambitieux. Paris, là, tu donnes toutes les chances. C'est ça, là, tu as eu quoi dedans? Tu as allé, il y a caoutchouc dedans, il y a chiffon, il y a fer, il y a l'eau, il y a tout dedans. C'est ça, là, tu as vu. Ça n'est plus, elle ne travaille pas, tu ne travailles pas. Vous vivez de quoi? Moi, je veux comprendre. Je suis curieux. Vous deux, là, vous vivez de quoi? Même si on dit que, ouais, c'est l'amour. Ça, c'est pas amour. Ça, c'est arrangement. Parce que vous, là, à quel moment vous êtes rencontrés, puis vous êtes tombés amoureux, là? Ou bien c'est coup de foudre? C'est à quel moment vous êtes tombé amoureux? Vous n'êtes pas amoureux. Arrêtez ça, c'est des conneries. Vous n'êtes pas amoureux. Toi, tu étais serré, tu avais besoin d'un dortoir. Voilà. Elle aussi, elle était serrée, elle avait besoin de quelqu'un pour Mougou. Vous êtes rencontrés. Voilà. Voilà. Toi, tu mougoussais tes poclés illettrés, là, analphabètes, là. C'est elle que tu mougoussais sur les réseaux sociaux. Voilà. Avec les vieilles femmes de plus de 50 ans qui n'ont plus, dont la vie n'a pas donné, là. Voilà. C'est ces vieilles-là que tu mougoussais. Tu avais besoin maintenant de quelque chose qui ressemble un peu à jeune femme. Voilà, tu as eu ça. Mais en même temps, c'est surtout le plus important, c'est que tu avais besoin de dortoir. Tu as eu ça. Donc, quand elle parle même là, tu ne peux même pas parler. Qui est, toi qu'on a connu, le shérif de la vérité. Puis tu viens, puis tu parles comme ça, on dirait un garçon. Maintenant, aujourd'hui là, moi, quand elle dit, non, moi j'ai fait ça. Ok, les Ekalands. Les Ekalands, ok, on me dit de ne pas faire ça là-haut. Eh, les Ekalands, tu es devenu, on dirait PD. On dirait bête. Tu parles, on dirait un homme-femme. Les Ekalands. Tu es devenu rouge, quoi. Tu es devenu rouge, quoi. Tiens. On dirait pamplemousse. Tiens. Tellement tu veux forcément plaire. Et le rouge, quoi. De noir à pamplemousse. On peut faire ça. Jaune, on dirait pamplemousse. Non, mais c'est grave, quoi. Donc, tu n'as rien eu. Tes habits sont en train d'avancer. Bilan. Chaque 5 ans, on fait bilan. D'autres même font pour eux. Moi, ils font pour moi chaque année. Mais en France, là-bas, les gens, chaque 5 ans, ils font leur bilan. Dans 5 ans, 2025, tu vas faire bilan. Toi, tu seras dans la même condition, là. Pendant que les gens évoluent, hein. Pendant que les gens évoluent. Tu seras dans la même condition, là. Coloris, là. Bon, moi, je vous laisse. Ça fait trop pitié, quoi. Moi, je fais tout, je me bats pour vous enlever dans des situations, pour vous mettre dans de bonnes situations. Et vous vous enfoncez. Toi, tu t'en vas, tu te maries à une Vogo. Tu vas vivre avec une Vogo. Elle aussi, elle va vivre avec un Vogo. Vous allez aller où? Ça me demande de l'argent encore. Moi, je ne peux pas vous nourrir, parce que c'est ce qui reste. Vous allez faire comme le gars qui est en Australie là-bas. Commencez à me demander de l'argent pour vous nourrir. Payer votre maison, payer choses. Non, moi, je n'ai pas l'argent pour ça. Hein. Ne me demandez pas ici. Hein. Ah non. Bouche pioche, faut leur dire, comme toi tu causes avec eux, faut leur dire de ne jamais me contacter pour me dire qu'ils ont besoin d'argent. Parce que moi, je n'ai pas l'argent de ça. Moi, je ne peux pas donner l'argent de Vogo comme ça. Donc, à travailler. Toi, bébé busy, tu peux soulever carton. Tu dis que tu es chauffeur, tu es transporteur. Pourquoi tu ne vas pas faire delivery? Pourquoi tu ne vas pas livrer? Tu vas faire jusqu'à ta bras. Et va chercher travail, va soulever carton. Il y a les magasins, devant les magasins, les gens ont besoin de gens pour charger les camions. Va soulever carton. Hein? Tu peux même aller apprendre à faire cuisine et puis devenir chef cuisinier ou bien quoi. On n'a pas besoin de niveau dans ça. C'est vrai qu'il faut savoir lire et écrire. Tu sais pas lire et écrire. Mais va, Amira Blindé va t'apprendre à lire et écrire. Parce que lui, Amira Blindé, c'est son enfant qui lui apprend à lire et écrire. Voilà. Sa petite fille, là. Voilà. C'est elle qui lui apprend à lire et écrire. Elle dit, papa, faut dire A. Et puis, il dit A. Elle dit, papa, faut dire B. Et puis, il dit B. Voilà. Donc, la petite écrit à Amiral. Elle apprend Amira Blindé à lire et écrire. Et puis Amira Blindé, lui, à son tour, il va t'apprendre à lire et écrire. Et puis après, maintenant, tu pourras aller faire cuisine. Voilà. Parce que le menu, là, il faut savoir lire le menu, il faut savoir écrire le menu, tout ça. Alors, tu apprends tout ça. Si c'est moi, je vous laisse. C'était Bobby. Ciao.